match nul. On a pris deux buts au début du match. On était un peu énervé. Heureusement, alhamdoulilah, on est revenu dans le match à 2-2. Après, comme j'ai dit, je le redis, l'arbitrage n'a pas été correct pour moi. Il y a un pénalty sur Andrea. Et moi aussi, un pénalty sur moi à la fin. L'arbitre verra les images. Donc, alhamdoulilah, on a pris un point et Inch'Allah, on va continuer à travailler. Franchement, ça se passe. Bah, moi, pour ma part, je vais dire que ça se passe bien. Heureusement qu'on est revenu dans le match et Inch'Allah, on va continuer à travailler à l'entraînement. On va avoir plus de points possible d'ici la fin de saison, Inch'Allah. الفريقين، لكن بالنسبة لنا بعد ما تكون منهزم وتولي هذا شيء إيجابي للفريق. سأختين على التحكيم لو شوفوا هذا إحنا ما مشي معادتنا نهضروا على التحكيم، لكن نخلي الناس المتخصصين اللي يتكلموا عليه. نظن كاين حوايج بالك ما شافوهمش في الدائرة مع غالب، مي نظن نخلي الناس المتخصصين هما اللي يتكلموا عليه. نظن أنا بلي كيما على بالكم كل فريق يجوز مرحلة الفارة. احنا جوزنا بالمرحلة هذه تاع الفارة غادي ديبي كيعاودنا ولينا ما الروتور والحمد لله ونا سيجيري هذا الباساج جديد وين اللاعبين تاعنا كانت عندهم ثقة بالنفس تاعهم وزنا عاوناهم مام لو بيبي سيبورتير سميسي عاونونا حبيبنا عليه نشكرهم الحمد لله ريزيلتا يلا مازال لي ماتش ان شاء الله باش واحد يزيد Je pense c'est pas évident. C'est qu'ils prennent deux buts contre Boumoudia. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup des équipes qui vont revenir. Alors il faut aussi voir que c'est un derby, beaucoup de tension, beaucoup de pression sur les deux côtés. Alors je pense que la manière qu'on a géré le match, c'était surtout que le demi-temps excellent. On est revenu, on a marqué deux buts. Mais quand même, pour nous, c'était très 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 difficile de rentrer dans le match. Pourquoi ? Pour moi, c'est la but qu'il y avait un sifflage très bizarre aujourd'hui. On n'était jamais eu la chance de rentrer dans le match. Deuxième temps, moi je veux dire aussi, avec cet arbitrage, on peut faire attention. C'est pour ça qu'on a essayé de gérer le match et on a fait quelques bons mouvements. Alors pour moi, c'est comme une victoire. Je le sais pour les supporters, c'est un grand défi. Je le sais, mais il faut voir les circonstances du match et comme la manière que tu es revenu, la manière que tu as géré, pour moi, on a fait un très bon match. On fait le travail, il faut aussi voir actuellement on a beaucoup de blessés. Alors c'est difficile. Maintenant on a essayé de gérer une équipe solide, solideur dans le terrain et en même temps qui essaye de jouer le foot. Alors je pense avec le matériel qu'on a, on fait des bons résultats. Et aujourd'hui, pour moi, c'est comme une victoire. Pour moi, personnellement, je le sais, pour les supporters, ils veulent gagner. C'est un défi, c'est un grand défi. Mais si tu vois les circonstances du match avec le referee, pour moi, c'est un très bon match. Oui, parce que si tu vois les fautes, les sifflets, tout ça, aussi le premier but, si ce n'est pas une faute, moi, je ne connais pas le football. Alors on a pris un but avec un faute de l'effraie. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'avais dit ça plusieurs fois, j'adore le public algérien, j'adore comment eux soutenir leur équipe, comment eux vivre. Je dis un grand merci à le public de Boumoudia et un très 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 grand merci au public de l'ISMA. Yeah.
chose positive à retenir, je pense quand même qu'il y a eu un beau spectacle. Je pense qu'aujourd'hui, Yann a posé le ballon aussi, on a joué au football. Et je pense quand même que dans le contenu du match, je pense qu'on a joué quand même mieux qu'au football. Mais bon, d'un matin à un point, nous aussi on avait de l'avance. Donc à la pression, les supporters, pour moi, j'ai dit tout à l'heure, je pense que si on avait joué en étant premier soir, on n'aurait pas joué de la même façon. Mais là, maintenant qu'on est là, on est libéré, je pense que c'est mieux. Moi, je pense que c'est mieux personnellement. On a deux matchs de retard, on a 6 points. On va avec un match de retard contre la GSK, j'espère qu'on va le gagner pour recoller encore plus proche. Et la pression elle sera du côté de Sétif et nous on sera là toujours en train de poursuivre. Sétif qui m'avance. Non voilà, aujourd'hui je pense dans le contenu c'est on a montré de bonnes choses, voilà. On a montré qu'on est une équipe qui peut jouer le titre. Voilà maintenant aujourd'hui ça on a pas réussi à gagner. Mais voilà, on a fait une bonne partie quand même, je trouve, et on va essayer de retirer les bonnes choses qu'on a faites. Ça va reproduire dans les prochains mois, effectivement. Et on a reculé, on a fait des erreurs individuelles, voilà. Voilà, ça a payé cash. Après, on est resté concentré, on a marqué le troisième but plusieurs fois, malheureusement, on n'a pas pu. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, on va retenir le contenu, on a fait des bonnes choses, des bonnes phases de jeu. On a mieux joué au ballon qu'eux, on s'est créé plus d'occasions qu'eux. Voilà, on a passé cette mauvaise passe. Je pense que les trois derniers matchs qu'on a fait, ils n'étaient pas très bons. Et là, on va essayer de faire l'ascendante et de changer les prochains matchs. Non, justement, contrairement aux autres matchs où on voulait absolument marquer, là aujourd'hui, on voulait surtout pas perdre le match. Parce que voilà, on reste quand même de résultats, on avait peur de se faire contrer. Donc voilà, on a joué intelligemment, on a essayé de jouer au sol au maximum comme le coach nous a demandé. Voilà, comme je l'ai dit, on s'est créé des occasions, beaucoup d'occasions. Malheureusement, on n'a pas réussi à mettre ce troisième but. Mais voilà, Inch'Allah, c'est bon, surtout, comme j'ai dit, le contenu, on va retenir ça pour la suite, pour les prochains matchs. On va essayer d'aller gagner à l'extérieur, maintenant, Inch'Allah. Je crois que le Mahadari, pour le même temps, on a joué le Moubara. On a gagné 2-0 au début du match. On a fait le match, on a fait le match, on a fait le score. كانوا كي ماركيو في الميبي ديالو كانوا فولونتير واش نقول دوك انا سمح لكم شي هذا الخطاب تاع الماتش بالضبط ان شاء الله ديماري وفي زونتير ان شاء الله نخدموا بزاف على الافكار هذه اللي شق ماتش وبيسيو شق ماتش ان شاء الله كيما انا واش راح نقول لك انا نظن يعني اليوم انا نظن الانصار يجيو بقوه باش يحضروا الكلاسيكو هذايا هم اللي عطاو حتى ان شاء الله الديربي هذايا انا نظن اللاعبين يعني كانوا في المستوى ان كلاسيكو ولا شباب كان لي دو زيكيب كان يلعبوا من اجل الفوز ان كلاسيكو في كاتر بيت يعني حاجه يعني جد ايجابيه شفنا بدايه المباراه يعني فتات المولودية في الجزائر يعني دخلوا بقوه كانت عندنا الاسبقيه زوز اهداف ولكن فوجئنا بعد زوز كرات ثابته وانا نظن ربما الشيء اللي ربما اثر علينا واللي زاد رفع المعنويات تاع اتحاد العاصمه وبدات الهدف الاول اللي انا نظن بعد المعلومات اللي مدوا لي فيها ريتور في بوزيسيون دو جو ولكن على العموم قلت لك يعني قلت لك لا ريكونتر تي تري ديسبيتي توت لي دوز ايكيب يلعبوا من اجل الفوز على العموم يعني نقدر نقول لين الاتيكيتاب كونك لو مولودي اللي تي بلي بروش دي لا فيكتوار جو لي زوكازيون اللي كانوا عندنا شاب قلت لك شوف شكون انا شوف كما قال لك اون لي جامي دوموندي دو ريكيلي اون لي جامي دوموندي دو بالونس يعني قلت لك اون تنفوا ماتش سي فاسيل مي قلت لك سي لو سي اوتر شوز انا قلت لك سي تان كلاسيكو سي لو ماتش دو لا سيزون بور لي دي زيكيب انا نظن قلت لك يافي دي سيسبانس يافي دي سبيكتاكل يافي دي ديبيوت كاس كون دوموند اون بليس انا قلت لك بالنسبه ليا اليوم même en défense on a bien défendu par rapport au match il était à terre côté concaissé là sur deux balles arrêtées mais dans l'ensemble on a bien maîtrisé notre adversaire on a marqué deux buts on a quand des occasions plus nettes encore à l'adversaire c'est vrai côté quand on a peut-être qu'on a le fouz mais on a des comptes à faire je félicite mes joueurs pour le match qu'ils ont fait je crois qu'on a un match honnête وداروا فوق هذا الشيء اللي عليه لو بوبليك اللي طا فيليسيتي وانا نظن انا نقول دو توت فاسون قلت لك ايزا سيربري تو الموند بينو كسيسون دو غالي كوم كي كونيس تري بيان الفوتبول كي يم الفوتبول وانا نظن داروا فرصه كبيره اي جو سوي سير سيرتان راح تفوت تخرج من لي فرونتير تاعنا شبيب القبائل راح يجي الناس كاع تشوف راح ينزل القسم الثاني
والله انا يعني بكل صراحه انا ما كنتش ننتظر يعني في النتائج هذوما. انا قلت لك كي بدينا تحضير جيد ونزيد نعاود ونتاكد انكور يعني كانت يعني كان عندنا فريق يعني في المستوى. البدايه تاعنا كانت موفقه ولكن قلت لك بعد نظن او دو موفي او دو نول ما كناش نخسروا. On avait la meilleure défense quand on a 3 buts. On avait la meilleure défense. L'équipe qui a gagné la dernière équipe qui a gagné le match, c'était Fessaoura. On a su le chef dans quelles conditions on avait perdu ce match. C'est une équipe qui est dans une crise de résultat, suivie d'une crise psychologique. On a donné la RGS qui a un dernier mois pour s'en sortir. C'est vrai actuellement, peut-être la place allait faire très large. Mais je suis sûr et certain que la RGS restera en division 1. معليش كي تشوفوا وقولك الله يسامحوا ماهوش باش نتبعوا ولا مي بصح سي لافيري ماشي يقول كاين عبسه الله غالب هذا هو النيفو. كنا قادرين كي تخيد كنا قادرين نزيدوا الهدف الثالث باقي برنامج طون اللي دارين كنا قادرين نماركيو باقي دوزيام طون واش داروا ليسمون داروا حتى حاجه لا مي بصح واش تتقبلها وخلاص. ما تجيش تحكي على المدرب حنا ما عندناش في المدير الجزاء تاع بدل المدرب وكذا المدرب وراه المدرب عنده 35 نقطه راه تروازيام تو ماتش راه تحكي على المدرب.